بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتيوب كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير هذا فيديو خاص بتلاميذ السنة الثالثة إعدادية تخوزيام بيك اللي كيقراو فيزيك أون فرونسي دونك كنحاولو نشرحو هاد ليكزامان ريجيونال نورماليزي ديال ألفين وستاش ديال فاس مكناس دونك ليكسبليكاسيون غيكون بالعربية وبالفرنسية في نفس الوقت دونك ليكزارسيس L'ordonnateur donne une phrase. L'usage d'une calculatrice non programmable est autorisé à qui sait mélodocalculatrice. Recopiez les phrases suivantes après en avoir complété les vides. Il y a une activité les phrases sur la feuille. le Donc la première phrase le mouvement et le repos d'encore sont deux notions deux notions d'aimer mouvement ma repos ce sont deux notions Relative, il y a une nisbia, il y a le référentiel de mouvement de notion relative. On peut les décrire que si on détermine un autre corps, corps appelé le référentiel, le roi, la marge. Référentiel. Il y a un objet en mouvement par rapport à un référentiel, par rapport à un autre objet. On distingue deux types essentiels de mouvement mouvement translation (yani translation, et mouvement circulaire. Deuxièmement, écrire le numéro de chaque proposition sur la feuille de rédaction et répondre par vrai ou la faux à la les phrases ou à la fois, soit par vrai ou la faux. La première phrase, le respect du code de la route permet de réduire les accidents de la route. cest les accidents de la route. Vrai. La deuxième phrase. La masse d'un corps, la masse il y a m, à la ville de Tanger est égale à celle du même corps se trouvant à Guira dans le Sahara marocain. Vrai, parce que la masse est toujours constante. la masse. Ne dépend pas du lieu ou de l'altitude. Le poids net, c'est-à-dire P, d'une boîte de thé est 120 grammes. Là, le poids, il est mesuré en newton Donc, la phrase est fausse. L'énat 120 représente la masse. Coûte là. 4, 2 Le dynamomètre indique l'intensité de la force qui lui est appliquée. Vrai. lesna le dynamomètre, il y a l'instrument mesurer l'intensité, l'intensité d'une force, chez le cours Troisièmement, déterminer l'unité internationale et l'instrument de mesure de, chaque, de chacune des deux grandeurs physiques suivantes, dans l'intensité du courant électrique. Donc, l'implément l'instrument, mais l'unité internationale, l'instrument de mesure. Donc, l'unité en ampère, l'instrument, on a directement instrument, il y a ampère mètre. Ampère mètre. Tout le l'énergie électrique, l'unité utilisée, il y a joules. Ou l'instrument utilisé, ou un compteur, la de compteur électrique. Quatrièmement, partie expérimentale, dessiner les symboles. Il y a un des symboles suivants. Ici, c'est les appareils, les instruments qu'ils représentent. Voici le tableau. Donc, l'instrument qui mise le voltmètre il représente le voltmètre. On a un conducteur omic. Conducteur omic. Tout a un générateur de tension on considère réglable parce que là, on peut changer y a de la tension du générateur tension continue la tension continue il n'y a qu'une tension variable réglable tout le représente représente père on peut mettre le conducteur ohmique, donc une résistance tout simplement. La question de 4 fait le schéma du circuit électrique nécessaire pour la confirmation expérimentale de la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Donc le schéma, je vais faire le schéma. Je vais un générateur tension, tension continue réglable. Alors, le schéma. relié à non-permettre, il faut bien non-permettre toujours quelqu'un en série à la tawali. Tout le monde un conducteur omic, un conducteur omic et un volt-mètre, on a une variable, un voltmètre mètre les en parallèle, ma un conducteur omic, voilà le volt-mètre. Donc on a un moins, on a le plus. Exactement ici, est le va mettre un plus ici, les plus, un il va à plus à moi le schéma, mon que mettre euh, relation d'homme, il y a U est égal à R fois I. La, loi la suite maintenant, exercice numéro 2, la 8 points. Première partie, l'étude d'un mouvement. On libère une balle homogène S à la position O. Donc, on a le point O, quand on a la balle. Et, et elle tombe vers la position A. On enregistre les positions successives du point G eh, de la balle. On G, g0, g1, les positions, les instants. Les instants t, T0, T1, T2, T3, T4. Comme le montre l'enregistrement, c'est contre. La durée entre... Deux positions successives et constantes et vos 0,1 seconde. et la distance OA est égale à 1 mètre. Donc OA a est égale à 1 mètre. OT entre deux enregistrements est égale à 0,1 seconde. La première question, déterminez la nature de la trajectoire du point G au cours de la chute de la balle. Justifiez votre réponse. salve la nature. Tabiat il s'agit d'une trajectoire rectiligne. Trajectoire rectiligne. Parce que G0, les positions de l'enregistrement G0, G1 jusqu'à G4 forment une droite. A la même droite. La deuxième question, déterminer la nature du mouvement, maintenant la nature de la balle de ce qui suit, uniforme, on l'a accéléré ou l'a retardé, ma justification. On l'a l'enregistrement que la distance entre les positions G0, G1, G2 s'augmente. Il y a une la distance entre G3 et G4 augmente. Plus que G2, G3. Les Yakbirala, G1, G2, ainsi de suite. Donc il s'agit de mouvements accélérés. Et la justification parce que les distances parcourues augmentent. Troisième question calculer la durée de la chute de l'aval de la position O à la position A. Donc, de O à A, le temps, la durée T, est égal. Donc il faut bien entre deux instants le temps T, la durée c'est il y a 0,1 donc on 0,1 fois 1, 2, 3 et 4 donc on d'abord 4 et en entre deux positions 0,1 donc il égal 0,4 secondes Voilà la durée nécessaire pour que l'objet arrive le point A, comment déduire la vitesse moyenne VM sur la de la chute du point G au point au point, de point O au point A en unité universelle. Quatrièmement, vitesse moyenne. La canal là on peut déduire la vitesse moyenne à partir de leur triangle les quatre de le flou court. a V on A D on a T donc V est égal à D sur T. Avec D, il y a la distance entre O et A. Il y a 1 mètre. 1 mètre sur T. Il y a 0,4 secondes. Donc, V moyen est égal à 2,5. Pour l'unité, bien sûr, on a D en mètres. D, bien sûr, il y a OA. Donc, mon Bo est égal à OA sur T. Donc ici c'est A. Donc 2D y A en mètres ou T en seconde. Donc 49 mètres seconde moins 1. le mètre par seconde c'est la même chose. Il y a un mots qui ont VM est égal à 2,5 mètres par seconde. Voilà les vitesse moyenne. Maintenant la deuxième partie, étude de l'équilibre sur une table horizontale, la balle S est stable à la position. A. La position A. Et conserve son équilibre comme montre la figure ci-contre. Faites l'inventaire des forces appliquées sur S si on est à l'aide de la balle, à la balle S, et classez-les en force de contact et en force à distance. Donc l'inventaire des forces, l'inventaire des forces appliquées à l'aide de la balle, qui est tout d'abord le poids de la balle, le poids la balle tout ma réaction le poids de la balle d'aïmèque p réaction du plan sur la balle et par exemple r la question suivante tout ma reaction tout d'abord donc le poids de la balle c'est une force à distance aux réactions, dire le plan, puisque le contact, avec le plan, ma, la balle, c'est une force de contact. C'est une force de contact. La question suivante maintenant. Déterminer les caractéristiques du poids P de la balle, sachant que M est égal à 400 g, on donne G est égal 10 newtons par kilogramme. Donc, la deuxième question caractéristique. Milizet dit p caractéristique de p. Delta m p a quatre caractéristiques. Le point d'action. Je finis le cours. Point d'action. Ou le point d'application. Point d'application. C'est la même chose. L'IA G, g centre de masse. Centre de masse, de l'objet, de la valve leucadiane. Tout ma droite d'action, les 15 la direction, droite d'action, la direction, droite d'action, c'est la droite verticale qui passe par G, qui passe.

donc P est égal à M fois G. M, attends, on a 400 avec M est égal à 400 g. Quand on roule le kilogramme, il y a 0,10 à la puissance moins 3, 0,4 kg. Donc c'est 0,4 fois G. Attends, on a 10. Donc, il est égal à 4. Et l'unité d'ILP, il y a 4 newtons. Unité en newtons. Voilà l'intensité. Et donc, il est égal à 4 N. Troisièmement, déduisez les caractéristiques de la force R, action de la surface, de la table sur, la de le plan, la table, sur la balle. Troisième question, caractéristique de R. Alors, on le, la balle, c'est la phrase, en équilibre en équilibre donc r dans les caractéristiques suivantes point d'application point d'application pour le point de contact le point de contact les a point a où ouais, est le point de contact Voilà, tout droite d'action, droite d'action, puisque des R et P sont en équilibre, là l'objet est en équilibre, il y a R et P qui même droite d'action, la droite verticale qui passe par G et A, droite verticale, verticale qui passe, par G et A. Les deux points réconnus à la même droite. Tout le sens. Puisque l'objet en équilibre réconnue en un sens opposé. et y en a un vers le bas. Donc R sera vers le haut. Réconnu l'axe. Et bien sûr l'intensité. Les deux forces réconnues à la même intensité. Donc, on dirait bien que R est égal P est égal à 4 N. Quatrième question, représenter la force de contact appliquée sur la balle à l'échelle 1 cm correspond à 2 N. On dit bien que R est égal à 4 N. On a l'échelle 1 cm correspond à 2 N. Donc, on a R, on dirait 2 cm. Point d'application, on a le point A et sera vers le haut, mais à la droite euh, perpendiculaire d'un crash mobile, voilà, R mais à la flèche vers le haut. l'exercice numéro 3. Ahmed possède chez lui un en ensemble d'appareils électriques. Parmi eux, il y a des lampes économiques identiques qui sont au TGBA. Il va faire un métin au chirin 31 watts. va faire une télévision au 120 watts. Et un four électrique au faire 120 watts la puissance inconnue. La première question, Ahmed veut déterminer la puissance électrique P, nominale, qui est four électrique et le branche seul pendant la durée d'une heure et relève les données du compteur électrique de la maison et avant et après ce branchement. Donc on a avant le branchement, on a Imax égale 15 et on a Imax 15, cest à constante. On a eu

Les karmzoléas, bien sûr, E. Les ketsawi, après, il y a ou moins un il y a Donc, voilà l'énergie. Nous on voir la relation qui est entre l'énergie et la puissance selon le triangle de de flou court. E ici. P na T. C'est-à-dire que E est égal à P fois T, P. Donc P est égal à E sur T. la durée T est égale une heure. Donc l'application numérique, la puissance d'Elfour est égale l'énergie liée à 3 kWh par heure. Donc on a 3 kWh. Donc je peux multiplier par 3 kW Donc on 3 on peut en donc en Donc je simplifie par l'heure. 3 kW. 3 donc voilà la puissance de la four. C'est 3 kW. La question 2. Calculer I l'intensité du courant électrique passant dans le four. Lors de son fonctionnement normal, il divise sa résistance R en le considérant en tant que conducteur ohmique. Donc, on a ce I, l'intensité de courant qui passe par le four. Deuxième question, l'intensité I qui passe par le four. Donc, on a la puissance c'est un triangle, je dans le cours. On a P, la puissance, on a U, on a I. Donc la puissance est en relation avec la tension à le courant. Donc P via le four est égal à U fois le courant I qui passe par le four. Donc maintenant la relation, l'Ardovienna, triangle on l'Ardovienna, I est égal à P sur U. L Application numérique, Alors bien à l'intensité I. Égal la puissance du four consommé par le four, il y a 3 kW donc 3 fois 10 à la puissance 3, il y a watt sur IU, il y a 220 volts donc 220. Alors, I est égal par calculatrice 13,60 4 et la majoration, on a ampère. L'unité, il y a La question suivante tout le monde la résistance La résistance, la résistance, je vais vous dire bien four. Je vais bien dire selon les triangles qui sont entre U, O, R, et U. Donc, U, on a U, on a R, on a I. C'est-à-dire que U est égal à R fois I. Donc, R, R est égal à U sur I. Application numérique, à 220 de 120, à la 13,64, il est déjà Donc, R, le four, est égal à peu près le tâche c'est la tâche où l'unité est en. La question Suivante, la question numéro 3. Citer le rôle de le compteur dans le montage domestique et déduisez le nombre de tours de son disque après branchement du four pendant et est égale 15 minutes. Donc, troisièmement, le rôle du compteur la mesure de l'énergie électrique consommée consommée en ici consommé dans une installation dans une installation domestique une installation domestique. Chazotte anime la question. Et le nombre de tours du disque après branchement du four pendant t' est égal à 15 minutes. Donc le nombre de tours. Carmzolab n. Je pas le nombre de tours. Tout d'abord, on doit calculer l'énergie consommée pendant le temps t' il y a 15 minutes. 15 minutes. On a quand même E. L'énergie E est égale P fois T. Il y a E triangle qui est installé dans le cours. Donc, il est égal P prime fois T Avec P prime, ne change pas. On a le même four. Il y a P fois T prime. P, c'est le four qu'on a déjà calculé dans la question précédente. Il y a 3 kW donc T On va voir l'heure. La 1, -heure. Donc, notre prime est égal à 15 qui est égal à 1 sur 4 à 1 sur 4 heures 1 sur 4 et à 7 comme ça. Donc, mon 15 la règle de 3. On dirait bien 60 minutes il y a une heure donc 15 minutes il y a x donc x est égal à 15 sur. 60. L'arbre minutes, minute, je vais vous laisser 15 sur 60, 0,25 heures. Donc, on va avoir 0,25. Donc, l'énergie prime consommée par le four est égale à kW heure. Voilà l'énergie prime. Donc, on a le nombre de tours effectués par le contour. Le nombre de tours donc nabina e prime est égal à n fois c on est le triangle le triangle e ici on a l'énergie électrique on a n le nombre de tours on a une constante le contour donc n et la à n et il y a e sur c donc n est égal à e prime sur c et eh bien sûr, hein, c'est quand tu as fait l'exercice à du le contour. Donc, en j'ai le contour, c'est 2,5 kW par tour. Watt par tour. Donc, 2,5 Watt par tour. Donc, application en SC est égale à 2,5 watts par on a l'énergie qui est de kilowatt, donc si on le le Watt donc N est égal 05 à 0.570 x 1000 si on le change à le kilowatt en watts donc sur c'est là il 2,5 watts par tour, donc on a N qui est égal par calculatrice, 300 ou l'unité est tour la, une, la, question, la dernière question question numéro 4. Quel est le nombre n? Dans le nombre n de lampes économiques identiques. Il y a de, euh, les lampes économiques qu'on peut brancher simultanément avec le four et la télévision sans que le disjoncteur coupe le courant électrique. La première étape, on doit calculer la puissance. La puissance maximale de l'installation domestique. Donc, pour calculer la puissance maximale, on a I max ou U, il y a 220, ou Imax, il y a 15, 15 ampères. Donc, on a tout d'abord la puissance quatrièmement, la puissance maximale tout d'abord. Puissance maximale, on a Pmax, et ça U fois I max application numérique en 220 fois 15 donc P max on va le 3300 watts voilà P max maintenant P total si on utilise on a les lampes lampes de 920 volt. 30 watts

plus P, les lampes. L'air ça, tu P maximal qu'on a trouvé. Donc, nous avons P, DLL four, y a, on a fait 3000. Plus P, TV, il y, -y, y a 120. Plus P, les lampes. a même dit, bien sûr, 30 -a, y en a une lampe. C'est égal à 3300 watts. Donc, PDL les est égal à 3300, 3000, 120. Donc, elle a dit PDL les lampes, les de N est égal à 1000 Watt. Donc, il y a dit N lampe, c'est-à-dire N fois, et la puissance nominale d'une seule la lampe est 30. 30 دونك donc, donc, دونك ان 180 لا par سيس. Donc, على 30 6 سي على التيار في المنزل وصلنا لنهايه هذا الفيديو كان معكم الاستاذ خالد ناجي كنتمنى يكون واضح وبسيط و, و إلى فيديو مقبل ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته